Blonde, son fils parti chercher la vie, aurait pris pour lui. Hey, 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 elle pense à lui. Putain, faut qu'il réussisse. Oh, elle prie pour lui. Hey, hey, hey. Ça fait longtemps déjà. Salut tout le monde, comment vous allez? C'est votre homme sur Vité Ritor. Toi, je sais que c'est la première fois que tu viens de me suivre. Faut t'abonner parce que y a de très belles choses qui arrivent. C'est vrai que je vais dire certaines choses qui vont un peu refroidir quelques-uns de mes abonnés, mais je peux vous rassurer qu'il y a du balèze qui arrive. Voilà, c'est comme ça la vie d'un homme. Il y a souvent des imprévus et puis il y a souvent des coups durs. Mais il faut toujours avoir la force de les remonter. Voilà, donc si c'est la première fois que tu tombes sur la vidéo d'Héritor, abonne-toi. Active la cloche de notification et puis avançons. Voilà. Bientôt les 50 000. Voilà, bientôt les 50 000. Je pense que d'ici 3-4 jours, je pourrais les atteindre. Et ça, c'est grâce à mes anciens abonnés, grâce à ceux-là même qui me soutiennent vraiment. Franchement, merci. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, n'oublie pas, abonne-toi. Je tenais tout d'abord à m'excuser auprès de ces personnes-là qui me suivent, ces personnes-là qui m'appelaient, qui m'écrivaient jour et nuit pour me demander ce qu'il y avait et tout ça. Moi, perso, je vais superbement bien. Voilà, je suis souvent, je ne peux pas dire souvent, je suis actuellement occupé à d'autres choses. Sans vous mentir, je suis occupé à d'autres choses. Et en même temps, j'étais en train de suivre aussi la venue de mon matériel pour le micro-trottoir et beaucoup de choses à venir. Voilà, je vais débattre de ce problème-là aussi parce que c'est un problème très sérieux. Un tour est en train de m'être joué, mais je pense que ça va se régler, ça va se régler. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à m'envoyer ce matos-là, mais j'ai déjà eu un problème. J'ai déjà eu un problème avec quelqu'un avec qui je devais recevoir, mon matériel. Mais apparemment, si vous voyez que jusque-là, je n'ai encore rien commencé, d'abord mon micro-trottoir, c'est parce qu'il y a problème au niveau de mon matériel en fait. Voilà, donc je fais cette vidéo là d'abord pour m'excuser pour mon absence pour, on va dire, 3 semaines, peut-être un mois. Je faisais quelques apparitions mais ici et là, mais c'était pas ça. Voilà, donc je tenais vraiment à m'excuser. Je suis occupé, voilà, je suis vraiment occupé, mais je serai là de temps en temps. J'attends seulement mon matériel pour vraiment commencer les choses à fond. Voilà, je vous ai promis le micro trottoir. Je suis un peu gêné de venir vous faire une vidéo comme quoi, des paroles d'autres choses. Je peux bien le faire, j'ai des informations à vous donner. Mais comme j'ai parlé du micro-trottoir, je vais à tout prix commencer d'abord par le micro-trottoir. Et puis bon, en cours de journée, je vais faire des vidéos tranquilles de réactions, d'informations et de vérité comme j'ai l'habitude de le faire. C'est parce que j'ai un gros souci. Jusque-là, mon matériel devait venir depuis fin décembre 2018. On m'a mis à mi-janvier, le matériel n'est toujours pas là. Et nous sommes en début février, le matériel n'est toujours pas là. Voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai un papa à moi qui m'a promis de m'envoyer mon matériel. Je ne sais pas comment je vais essayer de récupérer mon argent pour mon matériel que je devais recevoir. Je dirais que c'est tombé à l'eau. Ça c'est sûr parce que je suis parti sur la base de la confiance. Moi, je suis un mec qui fait facilement confiance. Ça, à ce moment, je peux vous le dire, je suis un mec qui fait facilement confiance. C'est peut-être un gros défaut, mais c'est comme ça que je suis. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai mon papa à moi, Monsieur Patrice, depuis l'estate. Voilà, c'est mon papa à moi. C'est mon papa, c'est-à-dire, il est prêt pour moi sur tout. Sur tout. Voilà. Si vous voyez que je parle avec sérénité, avec beaucoup d'aisance, sans avoir peur de quiconque, c'est à cause de ce monsieur-là. Voilà, qui tient vraiment à son petit Héritor et qui est méritant. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Il m'a promis d'envoyer mon matériel. Donc, on va dire que c'est celui que je compte encore. Vous allez encore patienter. Je vous demande pardon. Comprenez-moi. Voilà, c'est de bonne foi que je suis en train de vous faire cette vidéo pour vous dire cette vérité. Parce que je vous avais dit que j'allais parler de moi et parler des Bordeaux Likoufa. Donc, vraiment, veuillez m'excuser. Le micro-trottoir va attendre un peu encore. J'ose croire qu'on commence au moins dans ce mois de février là. Voilà, j'ose croire qu'on commence au moins dans ce mois de février là. Donc c'est un peu ça, la vérité en fait, c'est la vérité que j'arrivais pas à vous dire. C'est pourquoi les choses tout le monde me dit que ce soit par mail, par WhatsApp, par appel, par message direct, mais le micro-trottoir, je suis très impatient comme vous.
pour débuter ce micro-trottoir-là, parce qu'on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Et on va essayer d'éduquer nos artistes, ils vont voir la vraie vérité. Que l'opinion publique fait, je leur fais à leur égard. Voilà, c'est un peu ça l'objectif de mon micro-trottoir. Et puis éduquer même aussi tout le monde en même temps. Voilà, ça, en tout cas, ce sera un vrai, vrai micro-trottoir. Ne vous inquiétez pas. Mon père Patrice m'a promis de m'envoyer ce matériel en ce mois de février et j'ose croire qu'il le fera parce que c'est quelqu'un qui est très, 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 très busy, très occupé. Voilà, donc, veuillez juste me comprendre. Vous allez vous en tenir à quelques réactions que je ferai en attendant le micro-trottoir et tous nos projets à venir. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour m'excuser. Voilà. Ceci étant, on va parler des Bordeaux Likoufa. Oui, des Bordeaux Likoufa, marré quand on dit qu'il n'y a plus de promoteur qui est prêt à l'inviter sur un quelconque spectacle. Tellement sollicité de ouf. Il est tellement sollicité de ouf, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce 16-là, le week-end de la Saint-Valentin, il a déjà son premier spectacle à Romilly-sur-Seine. Ce 16-là. Donc vous voyez un peu, c'est pour vous dire que ça sert à rien. Le seul mal, c'est que le mec, c'est-à-dire l'artiste, n'a pas compris ce qu'il était vraiment. Il n'a pas compris son utilité, son importance, son impact qu'il a vraiment. Sinon, il serait très loin. Très, très, très loin. Mais malheureusement, en Afrique ici, on a pour habitude d'être des suiveurs. Voilà. Comme il y a des personnes comme nous souvent qui disent certaines vérités pour interpeller un peu l'artiste, pour interpeller certains fans. On trouve que comme quoi, c'est pas sur les réseaux qu'il faut venir dire ce genre de trucs-là. Mais ce que vous ne savez pas, les choses que je viens de dire sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des injures, ce sont des conseils. Voilà, ce sont des conseils. Et tout le reste du monde le fait. Voilà, pourquoi pas un noir comme moi, je le fais et puis ça vous dérange. Donc, moi, je suis un peu triste parce que, sans vous mentir, j'espérais. Et j'avais souhaité que Debordeaux Likoufa nous laisse quand même un petit truc avec un clip même à l'appui. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ce qui est déplorable, c'est que nos artistes africains, non pas tous nos artistes africains, parce que les artistes africains sont très intelligents, très professionnels et très malins, qui savent écouter, même des inconnus, pour l'avancée de leur carrière. Mais il y a certains artistes africains qui pensent que nul ne peut leur donner des conseils, qui sont maîtres d'eux-mêmes, qui savent faire tout, qui connaissent tout. Et puisque j'ai maintenant compris ça, on va faire avec. C'est pourquoi je viens vous dire que Debordeaux est actuellement là pour une tournée en Europe. Une grosse tournée, je pense, qui va durer au moins 2 mois. Voilà, 2 longs mois, vous aurez Debordeaux que pour vous, fans de l'Europe. Voilà. Il sera en Suisse à Genève, il sera en Italie à Torino. Il commence même, je vous ai dit en début d'allocution sur le cas de Bordeaux, son premier spectacle le 16 février à Romilly-sur-Seine. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dates encore. Vraiment beaucoup, beaucoup de dates. Voilà, donc c'est pour vous dire que la tournée, elle est bel et bien validée. Je ferai l'effort d'avoir toutes les infos pour vous mettre au parfum de tous ces déplacements. Et pour qu'il puisse réussir cette belle tournée, cette énième tournée là encore. Voilà. Mais franchement, moi sans vous mentir, je suis pas content. Je suis vraiment, vraiment pas content parce que je suis resté sur ma faim. Voilà. Un gros tube comme Agazagaza. Un gros tube comme Agazagaza n'a pas eu de clip. Parce que l'artiste s'est laissé assombrir par ces choses qui se sont passées en 2018. Je peux tolérer cela, mais je suis vraiment, vraiment pas content parce que 2019, on avait annoncé 2019 comme l'année du professionnalisme pour l'artiste de Bordeaux Likoufa. Et c'est bien de commencer avec des spectacles, mais c'est bien d'entretenir aussi son audience, d'entretenir ses fans. Et la meilleure manière d'entretenir ses fans, c'est de faire sortir des sons au moins chaque 2 mois ou chaque 3 mois, au moins. Voilà. Parce que ton dernier opus date de plusieurs mois et c'est pas intéressant. Je serai toujours là pour toi, je serai toujours là à faire ta promotion, mais je serai toujours là aussi à te dire certaines vérités que certains le pensent là et ne le disent pas. Comme quoi, ils veulent pas venir t'exposer sur la toile. Moi, je ne t'expose pas. Bien au contraire, je fais des choses pour l'avancée de ta carrière. Tournée européenne, c'est bien beau, mais tu peux gagner plus que ça. J'espère qu'on s'est compris. Je récapitule pour dire que de Bordeaux,
vous fera une très grosse tournée qui commence le 16 février là à Romilly-sur-Seine. Après, il sera en mars à Genève, en mars à Torino. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles. Et je tiens à lancer un appel à tous les promoteurs. N'écoutez pas ces personnes-là qui vous font croire que De Bordeaux, il est comme ça, il est comme ci. Non, c'est quelqu'un de très bien, c'est un artiste de très bien, mais qui est tellement gentil et très ignorant à la fois. C'est pourquoi il se fait toujours duper. Sinon, c'est quelqu'un de très compréhensif. Voilà. Pour ceux qui l'ont contacté, pour ceux avec qui il fait des spectacles, il fait sa tournée, la société LMK, vous pouvez vous renseigner, ils vous diront. C'est un artiste très courtois, très accessible. C'est vrai qu'il est cher parce que c'est une grosse pointure de la musique ivoirienne. C'est vrai qu'il est cher, mais il est compréhensif. Vous l'abordez, vous discutez, vous ne serez pas déçus. Vos salles seront toutes pleines. Vos discothèques seront toutes pleines parce que c'est De Bordeaux Likoufa, c'est pas un autre artiste. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et vraiment, excusez-moi encore pour le cas de mon matos en relation avec mon micro-trottoir. C'était votre humble serviteur Rito, accueillez bien De Bordeaux Likoufa en Europe. Je vous remercie. On est ensemble. Ciao, ciao.